Amis jardiniers, bonjour et bienvenue au potager qui dit non. Alors, pourquoi est-ce que j'ai épandu de la chaux sur notre potager? Bien, le calcium, c'est un élément indispensable à la vie des végétaux. Il est naturellement présent dans la plupart des sols. Et bien entendu, la teneur en calcium dans notre bonne terre de jardin ici est tout à fait satisfaisante et suffit à répondre aux besoins des légumes cultivés, sans problème. Alors, pourquoi donc est-ce que j'ai épandu ce calcium comme je viens de le faire à l'instant? Eh bien, c'est que ce calcium présente en fait d'autres intérêts aussi pour notre sol. Il ne s'agit pas d'une fertilisation dans notre cas, mais d'un amendement. Le calcium joue un rôle physique d'abord, puisqu'il va favoriser le maintien d'une stabilité structurale, on va dire, de notre sol. Ça, c'est quelque chose d'important. Il va ensuite faciliter le passage de l'air, de l'eau, et la pénétration des racines dans le sol également. Concrètement, cet amendement va nous aider finalement à éviter la formation de flaques, comme dans le champ voisin, après des passages pluvieux, ce qui n'est pas rare par ici. L'argile contenue dans notre terrain sera floculée et deviendra plus perméable. C'est ça le principe. Ce calcium va également remonter le pH de notre sol de manière à le rapprocher un petit peu de la neutralité. Je soupçonne qu'il y a eu quand même des désherbants et puis des engrais précédemment épandus sur la parcelle avant qu'on en prenne possession. Et ça a sans doute eu pour conséquence d'acidifier un petit peu notre terrain. Ça, c'est son rôle chimique. Enfin, cet apport de calcium joue aussi un rôle biologique parce qu'il va stimuler en quelque sorte l'activité des micro-organismes du sol en leur offrant des conditions de vie préférentielles. La conséquence flagrante de cette activité, disons boostée, ce sera la dégradation optimale de la matière organique en humus. Enfin, cet amendement vise à favoriser aussi la constitution et le maintien du CAH. Alors le CAH, c'est le complexe argilo-humique. Alors ce CAH se constitue à partir des particules d'argile et d'humus chargées négativement, qui ont besoin d'ions positifs donc pour s'assembler. Les ions Ca de plus remplissent parfaitement ce rôle. C'est ce qu'on appelle le pont calcique. Voilà aussi le rôle que va tenir ce calcium dans notre sol. L'argile, elle est très largement présente dans notre terre de jardin. Le compostage de surface maintenant que je vais mettre en place apportera l'humus à terme. Et ce CAH va pouvoir se constituer. Il est essentiel ce complexe argilo-humique, car elle garantit la retenue des éléments nutritifs dans le sol en les gardant disponibles pour les plantes. Ça, c'est très important. En d'autres termes, un CAH bien constitué assure la fonction garde-manger du sol et puis une bonne rétention en eau également. Ces oligo-éléments sont en revanche bien moins assimilables en sol très alcalin. C'est pourquoi les apports doivent être mesurés. Dans mon cas, le prochain amendement calcique n'aura pas lieu avant, disons, 2 ou 3 ans environ, sous la forme d'un apport très très modéré, destiné à compenser les pertes généralement liées, eh bien, je le disais, à l'emploi d'engrais qui sont acidifiants, alors pas d'engrais chez nous, mais qui sont également liés à l'exportation de calcium avec les récoltes, évidemment, ou aux pertes par lessivage, lors d'épisodes un peu pluvieux, tout simplement. J'ai utilisé du carbonate de calcium et de magnésium de classe 2, donc à action plutôt lente. Le magnésium, c'est aussi un élément indispensable à l'élaboration de la chlorophylle qui améliore la résistance aux maladies et à la sécheresse également. Donc on va pas s'en priver, sur notre terrain, ça pourra être encore des renforts intéressants pour nos légumes à venir, quoi. J'ai épandu cet amendement donc à raison de 250 grammes par mètre carré environ, ce qui correspond à un amendement moyen, couramment appliqué en sol argileux. Je vais me contenter de griffer un tout petit peu le sol sans enfouir la chaux, car dans un sol argileux, la dégradation de l'amendement serait bloquée finalement, si j'enfouissais. Donc les épandages d'entretien seront revus à hauteur de 20 grammes au mètre carré. Vous voyez, c'est beaucoup moins, beaucoup moins, et je vous le répète, pas avant 2 ou 3 ans. Donc voilà, on est dans une correction là pour le moment, ensuite ce sera un amendement d'entretien, et le dosage n'est plus du tout le même. Alors le coût de cet amendement est de 8,50 € en ce qui me concerne pour le sac de 25 kg, en coopérative agricole, je vous le précise, ça c'est important.
alors que je l'ai trouvé à 17 euros le sac, de 10 kilos seulement, j'allais dire, en jardinerie, hein, type gamme vert, etc. Donc faites le calcul, hein, je crois que le business du potager a vraiment le vent en poupe, hein, ça me paraît clair. Dans tous les cas, n'apportez jamais de quantité importante de calcium en une seule fois. Au maximum, vraiment au maximum, 350-400 grammes par mètre carré, lorsque les conditions l'exigent, quoi, hein, mais pas plus, hein. Préférez les épandages donc sur un sol humide, éventuellement griffé, ou alors vous griffez juste après, à l'automne ou au printemps, en évitant de réaliser en même temps un amendement organique, disons comme le fumier par exemple. Ça, ce sont des amendements qu'il convient de différer un petit peu dans le temps, hein, dans votre calendrier, et qui ne sont pas réalisés en même temps qu'un amendement calcique, si toutefois vous deviez procéder à ce genre de correction. Dans notre cas, épandre tout à fait fin novembre, c'est vraiment pertinent, intéressant, puisque je vais ensuite, dans les deux semaines qui viennent, là je pense, couvrir les parcelles de foin, hein, les parcelles, les encadrements en bois donc que vous connaissez aujourd'hui, sont donc destinés à accueillir ce foin sur une bonne épaisseur, hein, je dirais plus ou moins 15 cm hein, à peu près, mais ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, quoi. Voilà, merci d'être encore avec moi là, à ce stade. Je vous dis donc à très bientôt au potager qui dit non.